Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Nous avons souhaité nous bienvenue dans la série d'études. Dans l'étude, nous avons abordé une thématique qui est fondamentale pour la vie de nous toutes, qui c'est l'éducation des enfants ou bien l'éducation timonio. Nous toutes, nous aspirons pour nous venir yon parents, ou bien nous sommes yon parents, ou bien nous déjà fin levé timon, ou bien yon façon quelconque nous gagnons pour nous lever un petit monde qui n'est pas forcément petite panne. Ou bien, il y a un monde qui travaille, qui remet travail avec petit monde, que ce soit dans l'orphelinat ou bien dans d'autres espaces côté gagnant petit monde. Maintenant, la grande question c'est qui gens pour nous lever petit monde? Pas y a aucune obligation que un monde doit aller l'école pour que li apprendre comment pour les venir yon parent. Parce que ça pas li pas écrit que faut gen l'école pour moun aller pour venir maman ou bien papa ou bien pour gen responsabilité quelconque pour lever un petit monde gen doit c'est un petit nièce un petit neveu un petit monde quelconque que ou a lever gen des livres certainement qui écrit et un peu livre qui écrit sous question éducation petit monde façon parent doit élever petit monde mais là encore, il n'y a pas aucune obligation, il n'y a pas aucun monde qui contraigne aucun monde. Faut qu'on lit tel livre avant ou venir yon parent. Mais yon fois yon monde ou venir yon parent, ou bien yon fois yon monde ou gen responsabilité pour lever yon ti monde, ou gen yon gros obligation pour lever ti monde ça pour que li vini yon citoyen qui utile dans la société là, pour venir yon citoyen qui utile dans l'église là. Un citoyen qui pas bay aucun problème à la société mais au contraire un citoyen qui a vinn aider société à progresser qui a vinn aider l'église là avancer donc c'est pas une tâche qui facile c'est pas un travail qui facile une fois nous face à responsabilité à si c'est responsabilité pas nous donc nous obligé embrasser et porter maintenant le monde vinn parent qui avec qui ça généralement nous servit pour nous lever timonio nous avons obligé à chercher des repères dans étude ça nous avons regardé qui ça la bible bail qui orientation la bible ba nous pour que nous capable lever timonio généralement lorsque nous venons parents ou bien lorsque nous gon timon pour nous lever il y en a premier bagage nous faire nous garder Jean nous-mêmes parents nous t'élever nous et à partir de ça parents nous t'apprendre nous donc de là nous à lever et c'est lever timon à partir de chan nous même nous t'élever nous parce que en réalité yon moun ou pas capable bay so pas gagner donc ça nous t'apprendre gens nous t'élever ou bien gens nous t'ouais l'autre moun t'élever timon yo donc ça vient servir pour nous même repère ça vient servir pour nous guide. Et c'est à partir de ça nous généralement essayer guider timon pa nou yo dans façon que nous comprenne que yo ta doit lever. Ce qui est une bonne chose parce que normalement nous toutes nous enraciné dans nous sorti dans famille, nous gagnons des repères, ça veut dire nous gagnons de boussole, de bagages qui servent nous de guide. C'est normal pour nous puiser dans yo pour que nous capable aider et timon nou yo ou timon n'a pleuvé ou nan tan jodi. Mais y en a problème qui kon rive le plus souvent avec lorsque nous rete nan méthode ça seulement c'est que ça kon fait conflit. Pour qui ça? Parce que n'a parlé de deux époques différentes. Et nous-mêmes nous toujours tendez n'a dit mes amis timon a l'air qu'il est soit timon a l'air qu'il est pas respecté grand monde ou bien timon a l'air qu'il est quelconque yo gen des manières qui pas manière pas nous parce que c'est normal parce que nan tan longtemps yo l'aime dit longtemps m'a parlé tan nous t'a levé yo tan yo différent de tan n'a vivre là et c'est là a gagné nécessairement de bagaille qui fait conflit entre tan nous t'a levé yo et tan actuel yo. Et c'est ça que fait en tant que parents nous toujours un réflexe pour nous dire tant longtemps soit pour nous dire mes amis timon yo pas
marcher selon Jean nous-mêmes, nous te ouais ça dans le temps. Évidemment, li, ça paraît normal parce que temps yo pas même, époque yo pas même, donc yo pas jamais capable et bagaille ti moun pas jamais ka lever selon même principe que nous-mêmes nous te apprendre. Comme si dans même époque là, Jean tout bagaille yo te marcher parce que gan pile bagaille qui changeait de le nous te ti moun à la journée jodi. En pile bagaille changé. Maintenant, question hein, c'est est-ce que ses parents qui pour adapter à Timon ou bien est-ce que c'est Timon qui pour adapter à parents? Ou bien question hein, est-ce que c'est les deux? Nous t'as capable de dire c'est tous les deux doivent adapter yon à l'autre. Faut que parents lui-même li adapter avec Timon. Et en même temps tout faut que Timon li adapte avec parents. Gon échange na adaptation. Si li fait seulement yon seule façon, non seul sens, non seule direction, li a fait gros problème parce que imaginons que chaque monde rete yon monde. Même si Timon nan c'est petit, non? Même si c'est peut-être nous-mêmes qui a levé Timon nan ou bien nous gen Timon nan depuis tout petit pour une raison quelconque c'est où qui joue le rôle de parent légal ou gardien légal ou bien parent biologique ou bien un parent adoptif quelconque pour Timona. Timona rete yon moun différent. Dès que ti bébé a fait, d'ailleurs il fait avec empreinte li. Et empreinte yon moun c'est moun nan. Chaque moun gen yon empreinte différent. Timona li gen yon empreinte qui différent. C'est-à-dire Timona li son Timon li son moun à part qui différent de même si de papa de maman même si c'est maman avec papa bon Dieu bay pouvoir de procréation qui fait Timona li c'est un monde tout à fait différent et qui dit un monde différent eh bien dit également yon l'autre façon pour de penser qui dit un monde différent dit également yon l'autre façon pour moun nan wè bagay yo. Il y a une autre façon pour lui-même de comprendre les choses selon ça lui-même, de comprendre, de apprendre, ou bien pendant qu'il a grandi, ça lui apprend. Donc c'est là, parent, en tant que parent, parent a une responsabilité tout pour lui adapter à Timon. De même tout, Timon, au fur et à mesure qu'il a grandi, il a conscience que il est différent de parent lui, ou de gardien légal lui. Donc, il a conscience qu'ils sont l'autre monde différent et à partir de là, les mêmes tout la connaît que digon en responsabilité tout pour y adapter avec moun. Donc solution pour éviter conflit dans ce cas, di praler nan négociation ça en adaptation par a fait. Pour li rejoindre ti moun nan un peu côté ti moun nan ya pour fonctionner ensemble. Même jan tout la fait nan adaptation ti moun a fait tout pour rejoindre parent pour que yo fonctionner ensemble de pour faire harmonie. Eh bien qui ça implique? Ça veut dire ni parents ni timon dans ce cas, c'est comme on bagaille on négocier, c'est comme l'on négocier. Donc là font négociation, gain de bagaille, on bagaille on bail quand même. Et parti qui a négocier avant là, on bagaille la bail parce que dans négociation, chaque monde pas gagner 100% son besoin sinon négociation elle pas marcher. Idem, c'est même bagaille dans éducation timon puisque son l'autre monde. Donc nous avons une sorte de négociation quand même qu'on fait avec Timon et que Timon a fait ensemble avec tout, eh bien c'est entente là. C'est côté d'une entente là, eh bien c'est là nous avons avancé et avancé sans conflit. Maintenant, qui ça la Bible dit pour lever Timon? Parce que dans l'étude ça, nous regardons une thématique, nous regardons le sujet, d'après ça, la Bible lui-même l'y enseigne. Qui ça la Bible dit? Dans Proverbes chapitre 22, verset 6, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis Timon, non? D'après chemin, il doit marcher. Et le Timon sa vie grand, il ne peut pas quitter chemin ça. Maintenant, question que nous avons posée, nous, qui ça veut dire et instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre? Qui route ça? Instruit-il mon nom selon chemin libre marché?
Mais qui chemin ça? Qui ça chemin ça? C'est une bonne question. Moun qui habitué lit la Bible, habitué travailler avec ti moun peut-être dans les églises ou bien dans d'autres communautés qui impliquaient la Bible, on connaît verset ça en pile. Parce que c'est un verset et nous souvent parler quand il s'agit de lever ti moun. Mais qui ça ça veut dire instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre? Qui route ça? La voie, ça veut dire le chemin. Qui chemin ça? Instruit Timon selon le chemin de marcher. Mais qui chemin ça, Timon doit marcher là-dedans? Qui ça, la Bible a dit? Dans qui chemin? Dans l'autre verset encore que nous aimons citer, c'est le texte que nous joignons dans Éphésiens qui dit: Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Timon obéit par an nou, d'après mon Dieu, parce que son bagay qui est juste. Tout parent remè pati sa, parce que, évidemment, ça a bien tombé pour nous, parce que li tombé droit pour Timon, yo dit Timon, respecte parent, obéit parent, c'est ça bon Dieu vle, et son bagay qui est juste. Et c'est normal, et c'est bien. Et c'est la parole de Dieu, et c'est ça la Bible dit pour Timon. Timon, yo doit obéir parent. Tout parent, j'en dirais, mais ben c'est ça. Parce que c'est lui adresser à l'autre. Comprenez? Lui adresser à Timon. Timon, nous facile, nous prenons ça. Parce que le Dieu obéissez. Faut obéir à parent. Obéir à parent. Parce que nous voulons marcher selon façon que nous voulons. C'est normal. Faut que nous apprenions Timon, obéir. L'important pour Timon, apprendre à obéir à parent, apprendre. Tandis lorsque parents parlent, lorsque ils dans route parents les mènent. Mais maintenant, nous te posons une question, c'est qui route ça est pour verbe 22 verset 6 dit pour nous instruire Timon. C'est ça. Donc, avant nous avancer plus, question nous t'as capable poser, c'est que en pile fois nous-mêmes, capable dire parents, nous-mêmes parents, nous pas souvent remet mettez tête nous en question, pratique nous en question, posez nous questions sous propre pratique pas nous. Par exemple, nous dit Timon nayo, enfin obéissez à vos parents. Timon faut obéir par. Mais nous-mêmes nous pas réfléchi souvent sous pratique pas nous en tant que parents. Sous ça nous a fait et de l'aime dit ça nous a fait comme si méthode n'a pas levé Timon yo. Combien fois en tant que maman ou bien en tant que papa nous chita pour nous réfléchir, pour nous dire, est-ce que, pour nous même poser tête nos questions, est-ce que j'aime à pleuver Timon, c'est bon façon? Est-ce que j'aime à pleuver petit moi? C'est un bon. Est-ce que monsieur, façon à pleuver là, c'est bon façon? Ou bien est-ce que monsieur, façon à pleuver là, c'est m'a mettre dans la bonne direction en vrai? Avec Jean moi, ça moi qui dans tête moi, moi voulais enseigner là. Façon moi, apprendre yo. Est-ce que vraiment, façon ça yo a permettre Timon arriver lorsqu'il vini grand effectivement pour kembe ça m'te bali yo pour le songer principe que m'te bali. Donc c'est de bonnes questions. Évidemment nous même en tant que parents nous admettre que et parents pas souvent remet faire évaluation tête yo. Et on ka dit surtout nous même parents haïtiens d'une façon générale nous pas quoi c'est point fort nous. Bon, ça qu'arrivé en pile par affaire, mais c'est pas trop un point fort pour nous-mêmes parce que nous plus remet bail. Mais est-ce que nous recevons tout dans main Timon? Ou bien l'autre question, nous remet enseigner, nous remet apprendre Timon, mais est-ce que question nous poser, est-ce que Timon apprend? Il y a un auteur qui en français qui écrit un livre, il comme ça, moi j'enseigne, eux apprennent-ils. Je crois que c'est Philippe Mérieux, un auteur français. Dans le domaine didactique, il dit, moi j'enseigne, eux apprennent-ils. Moi m'a enseigné, est-ce que eux-mêmes ils apprennent? Lui-même, il dit ça dans le contexte enseignement dans la salle de classe. Bon, nous capables, mais mener ça dans le domaine, n'a pas parlé à la caille, dans le foyer. Moi m'a enseigné, moi m'a pas apprendre, Simon. Mais est-ce que ils apprennent? Ou bien, est-ce que moi-même, moi réfléchis? Pour sous ça m'a fait sous pratique pam
nan jan map leve ti moun. Donc c'est des questions qui sont importantes pour que nous soyons capables et considérer en tant que parents. Réfléchir sur ça nous-mêmes, nous avons fait en tant que pratique, en tant que façon nouvelle, méthode nous utiliser pour nous effectivement mener Timonio à connaissance que bon Dieu voulait au gain. Question c'était qui route ça, bon Dieu tracé? Qui route ça, bon Dieu voulait pour nous instruire Timonio la donne et que l'œil au grand Timonio pas jamais oublier, il pas détourner de route ça. En tant que parents, nous avons deux voies. Parents, nous avons deux voies pour que nous instruisions selon route ça, parce que c'est ça parole bon Dieu a dit. En nous lit, il y a une responsabilité que parents gagnent en tant que monde qui instruit Timonio dans route ça. En nous est dans Deutéronome qui ça la Bible dit concernant route ça que nous t'a doué, que nous doué pas t'a doué, que nous doué instruire Timonio là-dedans. Li. D'après dans Deutéronome Deutéronome chapitre 6 verset 5, 6, 7 et verset 8. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 6 là est particulièrement intéressant. Verset 7 là, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ou enseigne, ou apprendre si mon nan yo. Ou lever à soi avant dormi, ou parler ti mon nan de yo. Matin l'on lever, ou parler ti mon nan de yo. Et pendant journée, ou parler ti mon nan de verset ça yo. Ou parler de yo lors d'un voyage, ou parler de yo tout côté ou gagner possibilité. Et particulièrement dans le contexte, on parle à Timon. Maintenant, combien parents, ça c'est qui prend responsabilité effectivement pour l'apprendre Timonio les commandements de l'Éternel. D'abord, en tant que parent, avant que pour apprendre Timon les commandements, parents doivent connaître d'abord. Je vais poser la question de l'autre façon. Combien parents qui connaissent commandement l'Éternel, commandement bon Dieu, qui boyo écrit. Donc, si en tant que parent, ou pas connu commandement yo, ou pas ka apprendre si mon nan yo. Or, voilà que, bon Dieu dit pour nous instruire si mon yo, nan route, nan chemin, nous doit instruire yo. Et il y a une responsabilité. Voilà que bon Dieu dit directement en parlant. C'est bon Dieu qui a parlé à Moïse, qui dit texte non sauté de Deutéronome. Bon Dieu dit wap, enseignez Timon. Assoir avant de le coucher. Matin l'on levé. Wap enseigner, wap apprendre Timon les commandements de l'Éternel. Mais si moi-même en tant que parent, je ne connais pas les commandements de l'Éternel, comment m'a fait apprendre Timon? Eh bien, si un parent pas apprendre Timon et commandement de l'Éternel, c'est on ou pas sur route là pour apprendre Timon là le chemin que il doit marcher là-dedans là, parce que c'est bon Dieu qui dit instruit selon route il doit marcher. Eh bien, il y en a route Timon là il doit marcher, c'est que il doit apprendre les commandements de l'Éternel. Pour que là moi-même ou même en tant que parent pas là encore, c'est que Timon prend la relève pour continuer à parler de l'Éternel. Question 1, j'en ai dit, c'est combien de parents qui acceptent de faire ça? Est-ce que en tant que parent,
Et là, avant que tu m'en ailles coucher ou parler des commandements de l'Éternel. Ou le lever matin, est-ce qu'on apprend ça? Des parents qui assumaient. Assumaient, par exemple, le fait que nous menons tout le monde à l'église, nous menons tout le monde à aller dans des services religieux, c'est que tout le monde a tout apprendre. Et commandement, par exemple, dans le service, a tout apprendre le principe. Oui, le cas apprendre. Mais ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti parce que le timon à l'église, l'aller l'église avec nous en tant que parents. C'est un gros bagage. Hein? Timon à l'église avec parents. C'est pourquoi lui-même qui prend décision à l'église pour compter. Il est accompagné par. Il n'y a pas qu'on ait volonté assez pour le dire parents, il n'y a pas pralé. Ou bien, il pralé pour compter, ou bien il n'y a pas pralé. Il est accompagné par. Et tout parent supposé vraiment garder ça. En considération, c'est que lors à l'église avec Timon, Timon l'y accompagne. Parents, bon Dieu, ben nous devoir. Il y a une façon pour nous instruire Timon, c'est apprendre lui avant d'aller coucher, apprendre les commandements, bon Dieu. Le lit levé matin, apprendre les commandements, bon Dieu. Nous avons devoir pour nous parler Timon de commandements, bon Dieu. Donc si nous parlons tout le temps de commandement, bon Dieu, nous faisons comme ça. Avant d'aller dormir, l'un levé. Avant d'aller dormir, l'un levé. Nous parlons comme ça. La fini par, j'allais dire, intérioriser. Pratique ça, Timon. La fini par lever comme ça, grandit comme ça avec lui. Et finit par connaître parole là. Et on le, ça vient faire partie de la ville. Parce que, en bagaille, on a fait pendant, on dit, on Timon, si Timon arrête la caillou pendant, jusqu'à vingtaine, 20, 25 ans, par exemple. C'est en pratique qu'on s'est dit, on a fait pendant 20, 25 ans dans la ville. C'est difficile pour le vivant là jusqu'à tel. C'est difficile parce que l'a tellement de temps intériorisé ça, ça vient faire partie de la ville. Mais, faut, en tant que parent prend responsabilité, effectivement, pour lui faire ça avec Simon. Pour lui apprendre Simon, fonction. Enseigner, il y a une fonction, un parent, c'est enseigner, apprendre. Pas juste quitter l'église, si on entendait, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parent, il y a pour devoir pour lui apprendre, si on la caille, les commandements de l'Éternel. Et question encore, combien de parents qui connaissent les commandements de l'Éternel? Est-ce que en tant que parent, vous prenez le temps pour apprendre d'abord le commandement pour vous-même? Est-ce qu'en tant que parent, vous prenez le temps pour intérioriser? Et à partir de ça, vous êtes capable vous-même d'aider Timon. Aider, vous prenez le temps, Jean, surtout là, vous prenez le temps avec Timon pour que vous soyez capable d'apprendre, connaître les commandements de l'Éternel. Et pour rappel, si vos parents qui pâtaient, qui pas te songe écouter commandement écrit, donc c'est pas grave parce que nous avons toujours apprendre à tout âge. C'est dans Exode, et dans le livre Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Soit allez là, vous avez les commandements de l'Éternel. Vous êtes capable de lire ensemble à Timon. Et yon bagay, yon une façon dont moi rendre compte que mon apprendre pile verset dans la Bible, c'est lire tout le temps. Par exemple, dans pile somme, nous connaissons, ce n'est pas parce que nous prenons somme à l'étudier, mais c'est parce que nous lisons tout le temps et puis finalement nous connaissons. Donc, lis pendant ou même lis la Timon, lis les commandements avec Timon, ou apprendre, ou apprendre commandement, et Timon tout apprendre, et puis comme ça, pratique la développer pour toute la vie. Dans la sujet, dans série d'études, nous avons plusieurs aspects n'a pas abordé dans question levation Timon, dans question de lever Timon. D'après ça, la Bible dit, nous avons plusieurs sujets n'a pas abordé pour nous, parents, nous-mêmes parents, je vous dis à vous, comment nous sommes capables mieux aider Timon pour devenir des enfants qui sont utiles dans la société, hein? D'abord dans l'église, là, qui viennent des piliers dans l'église, là, et de Timon qui est utile à la société, hein? Qui est capable de permettre à la société de progresser et la société nous aller de l'avant. Et surtout, pour ne pas lever Timon qui. Demain, tu as venu tourner un fardeau pour la société, pour ta bail problème, une façon ou une autre.
Et m'bon garanti avec si nous fait ça, bon Dieu dit, il garantit que c'est la Bible qui dit que c'est une promesse de l'Éternel. Parce qu'elle dit, instruit-il mon nom selon où tu dois marcher, le grand pape détourne. C'est la Bible qui dit, nous quoi. Donc si nous fait ça, nous quoi mon nom, le pape détourne. En pile parent, je dis, moi rencontré en pile parent, il y en a un gros souci, moi, ouais, c'est que. En pile parent gen gwo souci, gen gwo inquiétude pour timon yo ki sa timon nan ap vini demain. Ki jan timon nan pral liye demain. En pile parent gen question ça. Peut-être nous capable comprendre parce que parent yo ap viv nan nou ap viv nan société yo, nou wè sa k ap pase nan société yo, nou comprendre ki sa ki capable susciter de grandes inquiétudes comme ça. Et cependant inquiétude, c'est bien, mais ce n'est pas inquiétude qui a pris le temps. Inquiété pour connait qui ça timon a venu, qui gentil mon a venu, c'est pas ça qui a pris le façon timon a venu. Mais ça qui a pris le façon timon a venu. C'est là nous fait exactement ça nous gagne pour nous faire. On fait ça nous gagne pour nous faire et puis qui te reste là dans mes bon Dieu, n'a la prière pour timon yo et puis n'a qui te reste là dans mes bon Dieu et bon Dieu a fait nos grâces, fait timon yo lever bien. Mais et venir bien. Mais il faut que nous fassions ça, nous avons pour nous faire. Jésus dit, ce n'est pas par vos inquiétudes, ou pas qu'à faire un cheveu vin blanc, parce qu'on va m'inquiéter, ou pas qu'à faire un cheveu vin noir non plus, parce qu'on va m'inquiéter. Donc, l'essentiel, c'est nous devons faire ça, nous devons faire. Ça nous gagne pour nous faire. Moi, invitez-nous à nous faire avec Timon, ça nous gagne pour nous faire. Et on a deux voies nous gagne pour nous faire, c'est apprendre Timon, les commandements de l'Éternel. À partir de jeudi, si on parle, on ne peut pas faire comme ça, on va inviter vous. Lis avant Aldomi, printemps, parlez de Timonio, de commandement, bon Dieu. Et là, au lever matin, parlez encore des commandements de Dieu. Parlez. Et comme ça, il a fini par arrêter dans Timonio. Et au fur et à mesure, chaque temps, on va aborder d'autres sujets. Chaque temps, on va aborder d'autres sujets. Chaque temps, on va aborder d'autres études avec Timon. Et puis, c'est comme ça. On va lever Timon, Jean la Bible dit là, d'après la voie qu'il doit suivre. Et on n'a pas besoin de peur. L'élégant, il n'y a pas de tunnel de eux. C'est la Bible qui dit. Merci parce que vous prenez le temps pour t'entendre étudier ça. On va inviter à continuer à suivre sérieux parce que nous avons un pilote sujet très intéressant. On n'a pas abordé dans le même domaine. Éducation Timon ça par rapport qui ça la Bible dit et n'a pas abordé tout par rapport à des sujets qui d'actualité dans question aspect en différents aspects et pour nous-mêmes parents la façon nous a lever Timon et façon nous t'a aimé au lever tout pour venir et de monde qui utile à dans l'église là et dans société là et de monde surtout qui fait bon Dieu plaisir. Nous a invité capable baisser tête nous pour que nous capable prier pour conclure étude. Et si vous pouvez abonner avec la chaîne, n'a pas invité à abonner pour que vous ne pas rater aucune vidéo. Merci, bon Dieu, papa, non, qui est dans celle-là pour grâce et bien faire dans la vie. Merci pour l'étude, ça. Aidez-nous, papa, dans ton amour pour nous capables de lever Timon pour venir utile dans la société, utile dans l'église là d'abord et utile dans la société. Nous demandons, guidez-nous par ton Esprit Saint, pardonnez péché, non. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci, à la prochaine.